Imaginez que vous êtes dans une salle de fête ou de bal, magnifique. Un buffet formidable, des danseurs et des danseuses merveilleux. Et puis vous regardez, vous vous apercevez que c'est très bien tout ça, mais qu'il y a des chandeliers, pas loin de rideaux, qui peuvent prendre feu, qu'il n'y a pas de sortie de secours, et que le risque est très grand de voir tout ça partir en feu. Et en tragédie. Vous avez plusieurs solutions. Partir tout de suite, alerter tout le monde et faire en sorte que la panique s'installe au moment de la sortie, ouvrir des fenêtres, si tant est que ça soit possible, ou, si vous êtes un égoïste, danser près de la porte et profiter du système jusqu'à pouvoir sortir rapidement. Selon le choix que vous ferez, vous diriez beaucoup de ce que vous êtes. Il est évident que le choix premier est de créer les conditions d'éviter que la catastrophe se produise, que le choix second est de danser près de la porte, que le choix essentiel est de faire en sorte de comprendre que cette métaphore vaut pour beaucoup, beaucoup d'autres sujets. Pensez à d'autres choses que des salles de bal et vous verrez l'urgence de penser aux autres en même temps qu'à soi-même.